Bonjour à tous, bienvenue à la BPI, en tout cas dans la version dématérialisée de la BPI. Bienvenue sur notre page Facebook. On est content de pouvoir maintenir le lien avec vous et de continuer à faire des événements malgré les circonstances. Et aujourd'hui, on poursuit pour l'avant-dernier jeudi de la BD de cette année 2020, de cette année de la bande dessinée. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Chloé Vary. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Et comme d'habitude, Sonia qui reste avec nous pour cette rencontre. Alors moi, je vais évidemment partir parce que je n'ai rien à dire. La seule chose que je vais vous dire, c'est que Chloé est là, même si c'est un enregistrement, on va être là pour répondre aux questions dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, elle y répondra. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Nathanaël, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Chloé Wary. Bonsoir Chloé, merci d'être avec nous pour ce jeudi de la BD un petit peu particulier puisqu'il se fait à distance. Merci d'être là. Merci. Chloé, je rappelle que tu as reçu le Fauve Prix du Public France Télévisions lors du dernier festival d'Angoulême au tout début de l'année pour Saison des Roses chez Fleubeleub et tu viens de publier, on le voit à l'écran, Une année avec l'orchestre Beethoven sur scène aux éditions Stan Kiss. Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans cette aventure dont je te laisse préciser les contours, Beethoven sur scène, toi qui n'écoutais jusque-là, tu le dis d'ailleurs dans l'album, pas franchement de la musique classique. Non, pas du tout. Oui, ben, en fait, je me suis retrouvée mêlée à cette aventure parce que c'est tout d'abord une commande un peu de Stan Kiss qui avait envie de faire un ouvrage sur Beethoven. Et puis, comme j'avais travaillé avec cet orchestre pour faire un petit fascicule illustré autour de Louise Farenc, qui était une compositrice un petit peu oubliée du 18e ou 19e siècle. Et du coup, je connaissais un peu l'orchestre. Et comme j'avais déjà travaillé avec Stan Kiss pour mon projet de diplôme, ils m'ont proposé de suivre cet orchestre dans les coulisses. Et au début, j'étais un peu réticente parce que voilà, la musique classique, j'y connaissais rien et je me disais que ça allait être un peu compliqué d'en parler et d'avoir les bons mots, d'avoir les bonnes références. Je m'étais imaginé un travail documentaire aussi comment dire, hyper complexe parce que voilà, j'ai peut-être pas les accès aux bons ouvrages, je serais peut-être pas accompagnée, comment dire, par des experts et tout. Et en fait, c'est vraiment la relation aussi avec la musicologue de l'orchestre qui m'a fait prendre confiance parce que je savais qu'elle allait être disponible et qu'elle allait aussi faire en sorte de m'accompagner au mieux, en fait, que ce soit en coulisses avec l'orchestre ou même en réflexion sur comment aborder ce sujet de la musique classique sans renier un peu mes propres références, quoi. Et à force de dialogue, on a réussi à trouver des liens, quoi, entre tout ça. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant, je trouve, le fait que justement tu n'y connaissais pas grand-chose à la musique classique, ça fait que tu accompagnes vraiment le lecteur dans cette démarche, puisqu'il y a quand même quelque chose qui est récurrent dans l'album, c'est cette idée que la musique classique ne serait pas faite pour tout le monde, et cette crainte que certaines personnes peuvent avoir justement parce qu'elles pensent ne pas avoir les codes, et que le fait de ne pas avoir les codes les empêcherait d'apprécier cette musique. Et donc c'est tout le sens aussi finalement de cet album, de montrer que petit à petit, comme toi, on apprend des choses, comme toi. Au début, on ne sait pas trop bien et finalement, bon, on se laisse émerveiller par la représentation finale qui clôt ce livre. Donc, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est d'autant plus intéressant que tu ne connaisses pas. Je trouve que c'est ce qui fait aussi l'intérêt du livre. C'est que ça semble important pour toi, en tout cas dedans, de défendre cette idée que oui, c'est fait pour tout le monde et qu'il faut s'enlever de la tête l'idée que c'est peut-être pas pour soi. Ouais, c'est ça, t'as tout dit. Ça fait plaisir que t'aies ressenti ça parce que au début, enfin, c'était pas forcément évident de se dire que j'allais assumer, tu vois, le côté inculte ou ouais, le côté je m'empêche d'avoir accès à ce genre de musique-là, à ce milieu aussi. C'est pas forcément évident parce que t'as pas, enfin, moi, j'avais pas. Je me sentais pas non plus hyper légitime de m'investir dans ce milieu et de rencontrer ben, les gens qui y travaillent et tout. Et puis, en fait, on se rend compte au fur et à mesure des rencontres que j'avais construit plein de stéréotypes sur le type de personnes qui pouvait y avoir dans un orchestre. Et en fait, Et d'ailleurs, c'est dès le début qu'on le voit, puisque quand tu arrives au début, tu ne te représentes pas forcément et on voit tes chaussures et on voit que tu as un petit peu peur. Tu arrives, tu dis, je ne peux pas mettre des baskets quand même parce que c'est du classique, donc il faut que je mette des petites bottines. Et en fait, on arrive et on voit en fait que les gens, bah ouais, ils sont en basket et des baskets plutôt cool en plus. en fait, les gens sont archi normaux là-bas et ils mettent
mettent autant de baskets que moi. Mais c'est vrai que typiquement, ce que tu dis, cette anecdote, c'était que ouais, je m'étais dit tout de suite, ok, je vais à la scène musicale, je peux pas y aller en Air Max. Et donc, je m'étais moi-même un peu censurée et je m'étais d'ores et déjà mis un masque, en fait. Il faut pas que je montre d'où je viens, faut pas que... Enfin voilà, je m'étais un peu conditionnée et préparée à jouer un rôle de petite enquêtrice et tout. Et puis ça tient pas deux minutes quoi, parce que ben je peux pas jouer autre chose que ce que je suis. Ça sert à rien en fait. Tu te rends compte que c'est bidon à la fin. Surtout que quand t'écris un livre et que tu dois livrer quelque chose de sincère, d'authentique et tout, ça sert à rien de jouer un rôle dès le début quoi. Mais bon, ça, voilà, il faut se tromper pour en prendre conscience, quoi. Et tout ça pour dire que oui, en fait, là-bas, les gens, ils sont tout aussi intéressants et ils sont pas forcément ceux qu'on s'attend de rencontrer. Et ça qui est cool, c'est qu'on se fait surprendre. Et finalement, c'était moi qui les jugeais avant même de les connaître, parce que j'avais peur et qui me jugent, alors qu'en fait, j'étais moi-même déjà en train de les juger. C'est important. Tout ce que tu montres des personnes justement qui sont à la scène musicale, mais il y a quand même ce personnage central qui est Beethoven et qui lui aussi t'a totalement surprise. Ouais, mais lui en fait c'est un rocker et tout, il est sans lui peut-être aujourd'hui il n'y aurait pas de hip-hop, en fait c'était le premier à raconter ce qu'il avait envie de raconter en musique quoi. C'est le premier à avoir fait de ses émotions sa première source d'inspiration, en fait. Et d'avoir recentré l'humain et l'être humain, dire, la capacité de créer et de faire des choses, artistiques. Il a mis ça au centre de la musique, alors qu'avant, la musique, on m'a expliqué longuement que c'était pour rendre hommage à Dieu, que c'était vraiment pour sublimer le divin. Et donc... c'est ce qui faisait que la musique, c'était aussi quelque chose qui s'adressait qu'aux nobles, qu'aux aristocrates, parce que voilà, c'était pour glorifier une espèce de sacré quoi, qui est inaccessible au commun des mortels. Et Beethoven, il arrive et en fait, il livre ça à tout le monde quoi. Donc, ouais, tu l'écris, t'écris. Il n'écrit pas pour plaire, il nous livre ce qu'il a dans le bide. Ça t'a parlé forcément. Bah surtout le côté viscéral, ça c'est. Le mot, c'était non-stop. Je crois qu'on parlait de Beethoven, parce que moi, l'idée, c'est que je demandais aux gens que je rencontrais déjà de me raconter leur parcours à eux, etc. J'étais hyper curieuse de savoir comment ils en étaient arrivés là. Et une des violonistes, à un moment donné, on le voit, elle s'appelle Cathy. Avant de faire du classique, elle a fait du hard rock. Les musiciens, la musique, c'est sans frontières, c'est génial. Et pour revenir à Beethoven, à chaque fois, quand ils me racontaient leur rencontre avec Beethoven, il m'apportait toujours quelque chose déjà de singulier et de différent, parce que chacun a sa propre sensibilité, mais c'était tout le temps le terme de viscéral, d'organique, une espèce de musique qui te remue vraiment, et donc t'as pas besoin d'avoir mille et une références pour que ça te remue. Et c'est ça moi qui m'a tout de suite c'est le côté accessible en fait de la musique de Beethoven, c'est que t'as pas besoin de comprendre pour être touché, quoi. Et en même temps, tu dis chacun est touché pour des raisons différentes. Est-ce que tu écris aussi, tu écris, je te cite, « Alors que 200 ans nous séparent, cette musique me renvoie à mes propres préoccupations écologiques et les fait résonner encore plus fort. » Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ben, c'est vrai que j'ai commencé à faire Beethoven, fin 2019 et en plein confinement, en plein Covid. Donc mars, avril, mai, juin, enfin voilà, puis l'année qu'on n'a pas terminé de vivre, quoi. Il y a tout ça, toute cette ambiance un peu anxieuse. Le fait de dessiner mes planches à ce moment-là, c'était encore plus palpable, en fait, le côté urgence climatique, même si ça fait déjà quelques années que je fais hyper... que j'essaye par tous les moyens de réduire mes déchets, d'avoir des comportements écologiques, etc. Là, c'était un truc de fou de voir comment c'était hyper connecté, ce que j'étais en train de dessiner, ce que j'étais en train de vivre, confinée chez moi, en fait. Parce que y a un virus qui nous a complètement rendus vulnérables face à tout ce qui s'est passé, quoi. Et donc, il y avait des espèces de connexion, et même lui, il en parle, enfin,
Il y a des rapports d'autopsie qui disent qu'il était complètement intoxiqué de l'intérieur à cause du plomb. Enfin, lui, en fait, voilà, il a vécu au début de la révolution industrielle. Donc, c'est là où la pollution, elle est, enfin, la pollution de l'homme, en tout cas, elle s'est accélérée fois 1000. Et encore aujourd'hui, ben, ça ne s'arrange pas et ça avait déjà commencé. Donc, voilà, ça résonne, quoi. Et on parle de Beethoven, de ce qu'on peut ressentir en l'écoutant, mais il fallait, tu parlais du fait que tu t'étais lancé dans la réalisation de l'album, précisément quand il a fallu le dessiner, le représenter. Tu expliques dans l'album que c'est compliqué, tu as écrit aucune case ne saurait être assez large parce que Beethoven est bien trop multiple. Comment est-ce que finalement tu as réussi à l'apprivoiser et en tout cas en faire un personnage dessiné de Chloé Wary? Je sais pas trop comment expliquer. Il y a vraiment, ça m'avait fait pareil pour Saison des Roses. Il y a des passages, par exemple le passage du train avec Beethoven, quand tout d'un coup je décide que Beethoven apparaît en face de moi et que je me mets à lui parler, ou le passage justement que tu disais où, ok, ça y est, j'ai capté quel était son message à Beethoven, c'est que il en a marre des étiquettes et il a, voilà. Il casse un petit peu tous les repères que la société essayait de nous, comment dire, enfin, voilà, dans lesquels on avait grandi, etc. Donc lui, il casse tout ça. Et même moi, j'essayais de lui mettre une étiquette, genre auteur classique, auteur romantique, pré-romantique. Mais voilà, en fin de compte, lui, il avait un message qui était humaniste et en même temps un message qui était hyper personnel, hyper intime, tout simplement que s'il avait envie d'écrire de la musique, c'est parce que quelque part il y avait juste un besoin, je sais pas, un besoin de ben, qui venait de lui et que c'était sa manière de s'exprimer. Et donc c'est ça que j'ai pris conscience à force de comment dire, en essayant de trop cadrer mon storyboard et en essayant d'avoir quelque chose de très structuré, ben en fait, à chaque fois, je crois que c'est comme ça que mon livre va se construire et ça me rassure. Et puis en fait, quand je suis en train de le faire et que Dire tout. il y a des passages qui, tout d'un coup, comme les 3-4 planches où je prends conscience que Beethoven est inclassable, ben, c'est arrivé comme ça, frontalement, juste parce que j'étais en train de dessiner et je me suis dit, il manque un truc, il manque quelque chose, et c'est arrivé d'un coup. Mais j'y avais. Enfin voilà, en fait, je sais pas, c'est à force que ça, enfin, que ça tourne. À force d'être avec lui que ça tourne, il y a eu une représentation qui arrivait. Voilà. Et c'est un truc qui arrive, tu sais pas quand ça arrive. Et puis, ben, à un moment donné, j'étais complètement bloquée sur mon storyboard. Je ne savais pas quelle transition faire, comment passer de telle scène à telle scène. Ça m'a bloquée pendant au moins une semaine. Hyper frustrant parce qu'une semaine de non-production, c'est trop de travail en retard, quoi. Et puis ça a fini par sortir, mais je ne saurais pas expliquer concrètement comment ça se passe de la tête à la feuille, quoi. Mais justement, est-ce que quand on t'a proposé ce projet, au-delà du fait de te dire je connais pas grand-chose à la musique classique, comment est-ce que je vais appréhender ça, est-ce que tu t'es posé la question de la représentation précisément parce que il y a quelque chose d'évident quand on lit l'album, il y a quelque chose de très viscéral, comme tu dis, tu as vraiment réussi à rendre ça. Et en même temps, je me dis, je me mets à ta place 2 petites minutes, même si je ne sais absolument pas dessiner, et je me dis, si on me dit bah tu vas faire un album sur de la musique, ah, enfin je trouverais ça, mais enfin il y a quelque chose de très, j'allais dire angoissant, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas de se dire comment est-ce que je vais réussir à rendre une émotion, à rendre ce que peut dégager une musique qui est, bah, par définition, quelque chose qui n'est pas palpable. Est-ce que tu t'es posé cette question et est-ce que ça a été, voilà, est-ce que ça a fait que tu as peut-être pas dit non tout de suite, ou peut-être que c'est une peur qui arrivait après, une fois que tu avais dit oui et que tu t'es retrouvé justement face à la feuille, comment est-ce qu'on appréhende le fait d'avoir à dessiner la musique au-delà d'un personnage? Ben, c'est vrai que j'y ai tout de suite pensé. Je me suis dit, ok, c'est dessiner de la musique. Il y en a beaucoup qui se sont prêtés au challenge. Et je sais que c'est aussi une interprétation et un ressenti très personnel après de la part du lecteur. Hein. On ne pourra jamais satisfaire, je pense, tout le monde. Mais c'est vrai que ouais, dès le début, j'avais ce truc de comment faire pour dessiner les sons, dessiner une mélodie. Parce que ce que tu vas ressentir en termes de ce que les sons peuvent faire vibrer en toi quand tu écoutes de la musique, sur le papier, tout d'un coup, tout est tellement plat que ouais, plusieurs fois pendant le projet, je me suis dit, mais ça va être impossible quoi, de
de faire résonner chez le lecteur la force de ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là dans le concert. Et je crois qu'à un moment donné, c'était aussi accepter que c'est deux médiums différents et qu'il fallait, il allait, enfin comment dire, il fallait que je touche le lecteur autrement que, comme, autrement que ce que moi j'ai été touchée par la musique en fait. Il fallait que je les touche par mon dessin comme moi la musique m'a touchée. Et donc ça passe par d'autres outils, je pense comme par exemple la narration, les textes, la composition des cases. En fait, je me suis dit ok, moi mes forces entre guillemets, mes armes par rapport à la BD, ça va être tout ce qui est graphique, dessin, mise en page. Et donc il faut que j'utilise ça à mort. Il faut que ça résonne, mais genre au niveau de l'agencement, au niveau même des textes que j'ai voulu écrire pour essayer d'être dans, ouais, dans, je sais pas, dans quelque chose de verbal aussi, parce que j'ai beaucoup écrit en fait. Au début, j'avais pas forcément projeté de mettre des textes dans Beethoven, mais tout au long du processus, de quand je suis allée en coulisses voir les musiciens, les rencontrer, j'ai aussi beaucoup écrit et de verbaliser aussi tout ce que je comprenais, tout ce que je ressentais, ça m'a aidé à, bah forcément oui, à avancer quoi. Et donc voilà, après je me suis aussi pas mal inspirée de certaines BD où j'ai pu voir que les mélodies étaient comment dire, elles étaient dessinées à l'aide de motifs, surtout le concerto pour main gauche qui est édité chez La Boîte à Bulles, je me rappelle plus le dessinateur, enfin l'auteur. Mais c'était un magnifique ouvrage en noir et blanc. Ouais. Toutes les ambiances, il y a des motifs partout. Enfin, c'est hyper riche, hyper beau. Il y a beaucoup de grandes pages, justement. Et c'est des planches comme ça qui sont, ben, comment dire, c'est comme des vagues. C'est magnifique, quoi. Et donc, de Yann Damezin. Je voulais pas dire de bêtises pour ne pas écorcher son nom. Oui. Donc, ouais. Effectivement, c'est un très bel album, ouais. Magnifique ouvrage. Il y a aussi le piano oriental de Zeynep Abirachem. Enfin voilà, il y avait pas mal aussi de références à aller chercher et beaucoup en noir et blanc aussi parce que. Et c'est pour ça que ça a été que ton album, tu as décidé de faire ton album en noir et blanc parce que c'est vrai que Saison des Roses a été remarqué. On va en parler dans un instant, bien évidemment pour son histoire, pour sa force, pour plein de qualités et aussi parmi ces qualités pour ses couleurs qu'on a beaucoup remarqué. Et là, c'était une envie de passer quelque chose de radicalement différent ou c'était justement parce que du fait que ses influences étaient des albums en noir et blanc, il t'a paru naturel de te mettre dans cette filiation? Je pense que déjà de base, il y avait une contrainte technique de temps. Voilà. Oui. Je vais pas te mentir, j'avais un an tout juste, même pas, je pense que j'avais 9 mois, un truc comme ça, pour faire le livre. Donc, ouais, faut y aller. Je peux dire que c'était une année hyper stressante, mais bon, voilà. Et donc, je me suis dit, ok, au feutre, Saison des Roses, j'ai mis 2 ans et demi, même si je sais que je peux aller vite, je vais pas prendre le risque en fait. Et j'avais aussi envie de développer une identité propre à Beethoven. Et à l'expérience que j'ai vécue, et essayer de retrouver mon dessin, peut-être autrement qu'avec les feutres. Même moi, j'étais un peu curieuse de voir si on allait me reconnaître au niveau du trait graphique, tu vois. Ah, on te reconnaît bien, ouais. Même moi, tu vois, j'arrive. Mais bon, bah, tant mieux. Mais du coup, ouais, j'étais curieuse de ça. Et puis, ouais, j'avais envie de dissocier clairement les expériences. C'est tellement différent ce qui s'est passé pour cette saison et ce qui. Et l'expérience du reportage, de l'immersion avec Beethoven, ça n'a rien à voir. Et le côté filiation par rapport aux ouvrages que j'ai pu voir, ça m'a confortée un peu dans ce choix. Je me suis dit, ok, déjà ça fait une grosse contrainte, le noir et blanc, je vais pouvoir bosser à mort les motifs, les compos. Voilà. Ça, en fait, par cette contrainte-là, ça m'a ouvert sur d'autres libertés. C'est un peu paradoxal, mais. Et j'ai été beaucoup marquée, j'avoue, par. Il était deux fois Arthur, de Nantico et Grégoire Carlet. Graphiquement parlant, bon, narrativement, c'est ouf, hein, ça n'a rien à voir avec Beethoven, mais graphiquement parlant, je ne sais pas comment dire, mais l'utilisation. Ouais, le gris, le machin, ouais. L'encre de Chine, comme ça, qui est brillante et tout, ça m'a fait tilt, j'ai trouvé ça magnifique et je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc à chercher pour Beethoven là-dedans, donc voilà.
Et tu as cherché aussi par rapport aux bulles, à la façon de les représenter. On a vu tout à l'heure quelques planches de Beethoven où on voit qu'il y a des bulles différentes quand c'est justement ta pensée, quand c'est de la narration, quand il y a les textes des personnes que tu interroges, ou en tout cas qui te racontent la façon dont ils vont mettre en scène ce concert, ce spectacle. Ça aussi, c'était une vraie recherche de te dire comment est-ce que je différencie les deux et comment est-ce que je mets quelque chose de très organique aussi, puisque quand ils parlent, on a vu, les bulles sont un petit peu particulières. Ce n'est pas des bulles toutes rondes, toutes lisses. Il y a vraiment quelque chose qui va avec le propos de dire que c'est quelque chose qui touche au trip. Ouais, exact, exact. J'étais pas jusque-là en interprétant les bulles. Ouais. C'est tellement, tout est tellement courbe dans ce livre que oui, c'est vrai que ça va avec complètement, ouais. Ouais, je voulais dissocier tous ces discours-là et graphiquement, il fallait qu'il y ait une différence, ouais. Donc, j'ai... Voilà. C'est pour ça qu'il y a une typo dactylographiée, quoi, pour le texte du narrateur et puis une typo manuscrite pour les discours oraux des personnages. Ouais. Et on parlait tout à l'heure du fait de ne pas forcément très bien connaître la musique classique et de s'aventurer dans cette aventure. Il y a aussi d'autres choses qui ont pu te surprendre. Tu le racontes dans l'album. C'est au moment où justement je parlais de la mise en scène et du spectacle, de ce concert où là, il y a des choses absolument extraordinaires, même pour nous en tant que lecteurs, où d'un seul coup, on se dit, ah bon, mais effectivement, on peut mettre tout ça sur scène, il peut y avoir tout ça qui accompagne la musique de Beethoven. Et puis, il y a aussi le travail du plasticien qui est important. Et où à un moment, tu racontes comment est-ce qu'il essaye de t'expliquer ce que représente la scène qu'il a imaginée, où tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis complètement coincée? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas ce qu'il me raconte? Et je trouve que là encore, il y a quelque chose qui est un appel à l'ouverture. Et d'ailleurs, ça s'ouvre avec ces mots-là autour de la curiosité, l'album. Mais ce truc de se mettre dans la position de dire, bah ouais, je ne comprends rien. Et en même temps, c'est normal. Et puis quand on m'explique et quand je me laisse prendre d'un seul coup, bah ouais, on comprend le message et on peut se laisser toucher et emporter. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai encore trop de souvenirs, et même parfois, j'entends des discours de gens qui disent non, mais c'est abusé, ça part trop loin, ça va trop dans le concept, dans le machin. Et parfois, j'ai comment dire, j'ai cette barrière-là, parce que tout simplement, on me prend pas par la main pour bien m'expliquer machin. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Michael, parce qu'il était parti dans un délire enfin voilà, je vais pas spoiler le moment, et je me suis dit, ok, comment je vais transmettre ça? Et au début, je l'avais pas Ça écrit par concerne la naissance, disons. ça concerne la naissance. Les choses un peu de la vie, mais un petit peu plus crûment, quoi. Enfin bref. Et du coup, au début, je n'avais pas écrit le passage comme ça. Tu vois, au début, je l'avais écrit comme si je l'avais déjà compris, comme si j'avais déjà accepté comment dire, les métaphores qu'il peut faire, les comparaisons, etc. Et en fait, en relisant et en discutant avec Blandine, la musicologue qui m'a beaucoup accompagnée sur le projet, m'a dit, mais reste dans ton axe dès le début. Reste dans l'axe que tu tiens dès le début, c'est-à-dire que au début, moi je me rappelle très bien, tu es venu me parler de cette scène, tu n'avais pas compris, tu étais choquée, tu n'as pas compris tout de suite, quoi. Donc à chaque fois, en fait, Blandine, elle était là pour m'aider à rester dans ce que je m'étais dit. Et elle avait justement ce recul que moi, parfois, à force d'être dedans, et que j'avais plus, quoi. Et elle m'a aidé à prendre confiance en moi aussi sur des passages comme ça où ben c'est pas hyper glorieux en fait mon comportement. J'ai pas de quoi être fière de comment dire, de me montrer aussi fermée dès le début, quoi, un concept comme ça. Et puis au final, voilà, faut assumer Et au parce que contraire. prend pas tout dès le début, personne peut se vanter de tout savoir non plus, donc bon, au final, voilà, mais ouais, On c'est revient à ce qu'on disait au début, je pense que c'est ça aussi qui fait la force du livre, encore une fois, c'est parce que c'est là pour ouvrir les esprits aussi, je pense, et que des gens vont se reconnaître dans cet esprit où au début on ne comprend pas, et ça donne envie de faire ce chemin en même temps que toi sur cette chose en particulier. Mais ça encourage à le faire pour tout, en fait, et d'un seul coup de se dire, c'est pas parce que je suis fermée à quelque chose qu'il faut pas que je pose des questions et que je peux chercher à comprendre. Ça veut pas dire que je serai forcément touchée, mais au moins chercher à comprendre. Et là, ça concerne une mise en scène qui est donc la représentation finale de ce spectacle qui est à la fin de l'album. Je parlais tout à l'heure de la difficulté qu'il y avait peut-être à se dire, bah, je vais représenter de la musique en dessin. Là, il y a autre chose qui m'est venue en voyant ce spectacle. Je me suis dit, quand on voit un spectacle comme ça, quand on voit tous ces tableaux, puisqu'il y a différents tableaux dans le spectacle, là aussi, j'imagine qu'il y a quelque chose de...
d'un peu flippant de se dire comment est-ce que je rends ça, parce que c'est un spectacle, c'est un temps donné, on est sur la chaise, on te voit d'ailleurs à un moment au premier rang, ou en tout cas sur un rang de personnages décomposés. Comment est-ce qu'on, par quel bout on prend un spectacle en se disant bah voilà, c'est une expérience où, une expérience visuelle, une expérience auditive, il y a quelque chose avec des images qui bougent. Là, en l'occurrence, j'ai le dessin, je peux représenter les tableaux, mais je ne vais pas pouvoir représenter le mouvement. Est-ce que tu te posais la question de représenter justement ce spectacle dans son intégralité? Et comment est-ce que finalement tu l'as appréhendé au niveau du dessin? Ouais, alors je l'ai vu trois fois, le spectacle, trois fois de suite. Et je me rends compte à quel point on a eu de la chance parce que c'était en février, juste avant le confinement. Et je me dis que c'est fou, parce que sinon ce livre, il ne serait pas sorti aujourd'hui. Bref. Et donc, même en le voyant trois fois, je le redécouvrais à chaque fois. Donc là, ce que je montre dans le livre, c'est qu'il y a clairement une sélection. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tous les passages parce que ça dure près d'une heure et quart, une heure et demie. Et c'est tellement riche. Il y a tellement de choses à dire entre ce que les danseurs performent sur scène, entre ce que les projos projettent comme image, enfin, l'arbre qui s'écroule et puis qui se relève et puis qui retombe. Enfin, il y a plein de passages, plein de, même en termes de mélodie, j'ai choisi de focaliser uniquement sur Beethoven, la septième et la pastorale, alors qu'en fait toute la première partie du concert, t'as pratiquement, enfin, t'as tout un tas de compositeurs et compositrices. Et c'est vraiment comme à un moment donné la chanteuse lyrique me le dit, moi qui n'y connais rien, comment dire, aux procédures en musique classique, elle me le dit clairement, elle qui connaît le milieu, ça se fait pas, ça se fait pas. Mendelssohn avec du Beethoven, avec du, en fait t'as pas le droit de faire ça normalement. C'est comme si on disait dans un musée, tu mélanges pas les Matisse et les Gauguin, en fait tu fais pas une exposition avec plusieurs peintres différents, ça ne se fait pas. Alors que on le fait, tu vois, on le fait et on crée des thématiques pour ça, et en musique ça ne se faisait pas. Donc là c'est fou parce que c'est comme si tout était réuni pour servir une espèce d'hymne à la nature, etc. Et avec Beethoven quand même en invité d'honneur, quoi. Et du coup pour la représentation, je me suis dit au début, j'ai pris plein d'images dans la figure, c'était magnifique et tout, et je me disais mais comment je vais représenter ça avec des cases en noir et blanc, c'est vraiment ok. Et puis ben tu fais avec tes contraintes, et finalement c'était toujours ce même process de ok, ma page ça va être un tableau, je vais parler de ça, je vais toujours avoir ce fil conducteur de la narratrice qui explique, et avec son langage, avec ses mots, qui raconte ses ressentis, ce qui se passe, qui essaye de contextualiser, mais qui essaye aussi de pas être trop académique ou quoi dans la manière de parler, parce que j'ai envie que ça soit pas un télo à lire ou quoi. Et donc, avec tous ces outils-là, finalement, voilà, j'ai sélectionné des passages, et chaque planche, c'est un peu comme un tableau qui résume et en même temps qui focus sur la chose que j'ai retenue, quoi. Moi, j'avais des images de ce que j'avais retenu. J'ai pas eu accès à tout de suite, pendant le storyboard ou pendant que je pensais aux planches, à des images du spectacle. Donc, c'était vraiment ce que j'avais eu en mémoire et ce que je m'étais noté sur le coup ou en sortant. Donc voilà, ouais. Et ce qui est bien, c'est le spectacle par ton prisme, par tes yeux. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis il y a des playlists, je sais pas si c'est ce que j'allais dire, effectivement, puisqu'il y a un système de QR code. On dit qu'il n'y a pas de musique dans ce livre, enfin dans la bande dessinée, par définition c'est du papier, des images et du texte, mais pas tout à fait, puisque vous avez intégré des QR codes. Ouais, c'est ça, en fait on a créé une playlist spéciale avec un compte YouTube spécial et tout. Pour que ça tienne dans le temps, quoi, tout simplement. Et donc l'idée, c'est que au moment où tu découvres le livre, tu scannes le QR code et ça t'emmène sur la playlist YouTube que tu peux lire ensuite en même temps que tu découvres l'histoire, parce qu'il y a des petits logos qui te permettent de lancer les musiques à tel ou tel moment, et ça te permet d'écouter ce que moi je suis en train d'écouter à ce moment-là. Et pour la deuxième partie, la grosse deuxième partie du livre, tu as aussi des vidéos de la production.
Et donc, voilà, ça permet de montrer un peu ces deux côtés-là, ce que moi j'ai vu et ensuite ce que je donne au lecteur à voir. Comme ça. Et comme ça permet aussi de le lire plusieurs fois et de se faire ses propres images et d'après les confronter aussi aux images réelles. C'est aussi intéressant de le faire dans ce sens-là. En tout cas, moi, c'est dans ce sens-là que je l'ai fait. C'est assez intéressant aussi de découvrir comme ça. Mais tu disais ce que j'ai vu, les personnes que j'ai rencontrées. Est-ce qu'il y a eu le confinement, donc ça a été peut-être un petit peu plus compliqué d'aller partager avec eux la sortie du livre, mais est-ce que tu leur as montré, est-ce que tu as eu des retours justement, parce que j'imagine qu'il y a quelque chose de particulier de recevoir quelqu'un dans les coulisses comme ça, qui pose des questions, à qui on parle, et forcément ils t'ont dit beaucoup plus de choses que ce qu'il y a dans cet album, et en même temps j'imagine qu'il y a des choses qui ne ressortent pas par le biais de phrases, de textes, mais que dans une image, au détour d'une image, on ressent quelque chose, on trouve quelque chose qu'on a partagé avec toi. Est-ce que tu sais un petit peu comment est-ce qu'ils ont reçu Beethoven sur scène? Ben, pour l'instant, j'ai pas pu retourner à la scène musicale et pas eu de contact direct avec Alain, par exemple, le chef régisseur. Avec Blandine, elle m'a dit qu'elle avait reçu son livre et tout. En fait, le tout premier retour qui m'a vraiment rassurée, c'était le retour de Laurence quand je lui ai envoyé quasiment le PDF fini, prêt à imprimer, et que elle nous a dit OK, c'est bon, et qu'en fait, elle a kiffé quoi. Ouais. C'est bon, Laurence, elle a validé. C'est bon, allez. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'était le gros stress parce qu'elle avait. Moi, je lui avais rien montré de. Je lui avais rien montré de storyboard ou quoi, parce que c'est pas. C'est du matériel de travail, donc ça se montre. Et donc, finalement, ça, c'était le premier gros retour qui m'a fait du bien. Et après, là, sinon, j'ai reçu des messages de quelques techniciens et quelques salariés d'Insula Orchestra, pas encore de retour de musiciens parce que bah pareil, j'ai pas leur contact direct, pas retourné là-bas. Pour le temps que le livre il vient juste de sortir, donc. Voilà. Mais j'ai trop hâte de savoir comment ils vont prendre la chose et connaître leur réaction. Ouais, ceux qui m'ont fait des retours, enfin a priori ça leur a plu, ils sont super contents. Bah, j'imagine. Ça doit être génial de voir d'un seul coup sa création vue par les yeux de quelqu'un d'autre et justement avec un art différent qui est celui du dessin. Mais dans l'épilogue, tu dis « Beethoven, où t'es passé? Toi et ta folie, vous me manquez déjà. » Ça, c'était au moment de la fin de l'album. Où est-ce que t'en es aujourd'hui? Est-ce que ça te manque toujours? Est-ce que tu écoutes du Beethoven? Parce que maintenant, c'est le temps de l'édition, donc il vient de sortir, mais tu l'as terminé il y a un petit moment. Où est-ce que t'en es avec ça? Est-ce qu'il te manque toujours ou est-ce que ça y est, tu réussis à... Tu réussis à te séparer de lui? Non, franchement, je veux pas me séparer de lui. J'ai mes petits morceaux préférés que quand j'ai envie de les écouter. Non, vraiment, maintenant, je me sens je me sens autorisée quand j'ai envie d'écouter du classique, tu vois, à mettre les morceaux que j'aime bien et même à en découvrir d'autres, quoi. Et du coup, aujourd'hui, je sais pas, ouais, je me sens réconciliée avec ce genre musical et ouais, j'ai en fait je suis hyper curieuse maintenant quand j'écoute aussi enfin j'écoute beaucoup encore et toujours du rap, du pop et tout, et je suis un peu à l'affût maintenant de trouver la mélodie. J'aime bien parce que je me dis que Il y a un mec qui s'appelle Sofiane Pamar et qui fait beaucoup de mélodies au piano. En fait, c'est un génie du piano. Il fait beaucoup de mélodies pour les rappeurs. Et du coup, j'aime bien suivre ce qu'il fait parce qu'il y a un côté hyper classique, en fait, dans ses albums et dans ses mélodies. Et je suis, encore une fois, c'est une preuve que le classique, ça nous, même inconsciemment, si c'est pas tout de suite une référence directe, ça a quand même un impact sur ce que les compositeurs écrivent quoi aujourd'hui. Donc, voilà. Et je pense que tu vas donner envie à beaucoup d'écouter du classique après avoir lu ton album. En tout cas, c'est ce que j'espère et je pense sincèrement, parce qu'il y a quelque chose où on a envie d'accéder. Tu le disais, il y a la playlist, on a envie d'accéder, d'être un peu dans les coulisses vraiment, vraiment avec vous et de s'autoriser encore une fois. Et je trouve que c'est important vraiment, et c'est ce qui ressort aussi de l'album, de s'autoriser à mettre les pieds dans ces lieux et se dire que c'est des lieux pour tout le monde et c'est pas dédié à un public en particulier. Je vois qu'il est déjà presque l'heure de nous quitter, alors j'aimerais qu'on dise un mot quand même, qu'on revienne sur Saison des Roses dont on voyait la couverture tout à l'heure. Saison des Roses qui a donc eu le fauve prix du
pardon, je vais réussir à le dire, le fauve prix du public France Télé, c'est beaucoup trop long comme titre, l'année dernière au Festival d'Angoulême, enfin en début d'année, dans lequel donc tu mettais en scène un club de foot féminin et qui a entraîné plein de choses derrière. J'ai l'impression que tu n'as pas arrêté sur les réseaux. Je vois que tu passes de résidence en festival, que ça t'a amené plein de projets. Ce livre, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu, au-delà justement de Beethoven sur scène, qui t'a occupé une bonne partie de l'année, on l'a compris, comment est-ce que ce livre a vécu sa vie toute cette année, parce que j'ai l'impression, encore une fois, que ça a touché énormément de monde et que ces personnes te l'ont fait savoir et te l'ont fait ressentir et ont partagé tout ça avec toi. Ouais, non, j'avoue, c'est ouf. Même encore aujourd'hui, je reçois des stories de gens qui viennent de découvrir Saison des Roses et qui ont kiffé. Enfin, et je vois que le livre est dans plein de bibliothèques parce que à chaque fois, c'est des bouquins empruntés, en fait. Donc, je me dis, trop génial, c'est en libre accès dans plein de bibliothèques, donc trop cool. Et non, c'est une dinguerie ce qui s'est passé avec ce livre. 2020 avait trop, trop bien commencé. Et ouais, non, trop, 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 trop fou, quoi. Et en vrai, ouais, le livre, il continue sa life, là. Il est sorti en portugais il y a quelques mois. Ça va sortir dans d'autres pays aussi bientôt. Donc, incroyable. Déjà, ça sort des frontières, c'est fou, quoi. Et typiquement, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est que j'ai été contactée par le Salon de la presse et de l'illustration jeunesse de Montreuil pour imaginer des ateliers virtuels autour de la BD et du foot. Parce que voilà, le foot, tout de suite, tu parles aux jeunes et tu peux t'amener à réfléchir à des sujets type égalité des chances entre les filles et les garçons, la féminité dans l'espace public. En fait, voilà, c'est comme si le livre, il permettait d'aborder plein de sujets à travers des personnages accessibles et dans lesquels on s'identifie. Et du coup, voilà, les départements, les régions, ils me sollicitent pour imaginer des projets. Alors là, c'était atelier virtuel, mais j'ai été à Nantes, j'ai été à Lille, j'ai beaucoup voyagé pour saison pour justement proposer des ateliers qui mêlent le foot et la BD, quoi. Donc voilà, c'est des Et ce qui ateliers. est génial, c'est qu'au-delà des thématiques que tu disais, c'est aussi une autre approche de la bande dessinée, parce que j'imagine que justement, parmi les gens qui découvrent Saison des Roses parce que la thématique leur parle, il y a des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire de la bande dessinée. Et je trouve ça toujours hyper intéressant de voir comment est-ce que on peut parler de tout effectivement en bande dessinée, et on peut toucher à un autre public parce qu'on le touche directement à ce qui concerne, en fait, au quotidien, en fait. Et c'est vrai que par le foot, il n'y a pas tant que ça. Il y en a des albums qui parlent de foot, mais généralement plus d'un point de vue un peu historique. C'est vrai que quelque chose qui raconte le quotidien comme ça, avec ce gros enjeu de, on a vu quelques images, on voit bien que on parlait d'enjeu de dessin tout à l'heure, là, de représenter les joueuses en plein match, c'est quelque chose aussi, je pense, qui est un gros enjeu et que tu as parfaitement réussi à faire vivre, et on vibre encore une fois en même temps que les joueuses qui sont sur le terrain. C'est aussi, je pense, quelque chose qui était très important avec ce titre. Encore une fois, c'est effectivement ce que tu disais, c'est que d'un seul coup, ben, des gens ont pris le bouquin parce que ça parlait de foot, et d'un seul coup, se sont dit, ah ouais, je peux aimer en fait la bande dessinée, peut me parler et peut raconter ma vie. Ouais, carrément, ça parle aux footeux, et ça c'est trop bien. Et j'ai ramené des bouquins dans des clubs de foot comment dire, qui pensaient qu'il pouvait pas y avoir de communication entre les intellos qui font des expos et puis ceux qui jouent au foot comme des bouseux. Et typiquement, une semaine en Creuse avec l'association Émile a une vache, et on a fait des conférences, des rencontres. C'était au mois d'octobre, donc juste avant le reconfinement. C'était super. Et à la fin, on a fait un tournoi mixte. Donc il y avait enfants, parents, hommes, femmes, et on s'est tous mis à jouer au foot. Et les gens du club, toute la semaine, ils ont participé aux expos, aux rencontres. Et donc là, tu as genre les deux mondes de culture et sport qui se réunissent, et c'est génial. Et voilà, c'est trop bien. Et il y a aussi les paroles d'un libraire qui m'ont été rapportées, que il aurait jamais ouvert le livre parce que vraiment le feutre, ça lui plaisait pas. Mais là, par contre, il n'est pas déçu parce que en termes de composition, de mise en page, il a retrouvé plein de codes du manga un peu shonen quand les cases elles sont pas à droite, etc. Et ça lui a plu. Donc en fait, chacun va y trouver son petit morceau et tout, et je trouve ça trop cool, quoi, parce que
Je suis contente en fait de parler à plein de monde et de faire communiquer plusieurs plusieurs milieux qui se seraient peut-être jamais rencontrés parce que encore une fois on garde J'aime bien mettre des cases. Et non. Merci beaucoup Chloé Wary. Donc Saison des Roses, si vous ne l'avez pas encore découvert, c'est publié chez Flubbelub. Et donc Beethoven sur scène, une année avec l'orchestre Beethoven sur scène, c'est publié aux éditions Steinkiss. Merci beaucoup. Cette rencontre était en partenariat avec le salon SoBD qui devait avoir lieu ce week-end et qui est reporté du 5 au 7 février. Donc rendez-vous l'année prochaine, mais en tout cas, rendez-vous parce que c'est important. On l'a bien vu dans ce que tu disais à la fin de cette rencontre, que c'est génial de lire, c'est génial de pouvoir faire ces rencontres à distance, mais c'est quand même toujours exceptionnel de pouvoir tous se rencontrer et partager autour de nos passions communes. Merci beaucoup, Chloé. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas vos questions sur le chat. Chloé sera là pour vous répondre et là pour vous répondre. Très bonne soirée à tous. Salut, salut et merci encore.